On va où là? Il y a un arrêt d'urgence, est-ce que tu peux descendre? Là, ici? Oui. Oh non! Votre partenaire a accidentellement écrasé son robot de nettoyage. Oh non, le pauvre! En bas, il y a un triangle à son pied. Oui, c'est ça. Ok, est-ce que le triangle, il est petit ou il est grand? Il est petit, je pense. Et du coup, la taille de la bille, elle est plutôt petite, moyenne ou grande? Grande! Mais genre grande, genre ça dépasse le P, le carré du P? Oui? Ok, c'est bon, j'allais. J'en peux plus, cette personne. Ok, dysfonctionnement corrigé. C'est parti. Utiliser une charge totale égale à 2. Ok. C'est à 2. T'as du temps, t'inquiète. D'accord. Attends. Collage, moins 2. Plus. Pense zen. Moins 2 plus 3. Mais c'est trop dur. Moins ok, c'est bon, 3, j'ai trouvé 1 plus 1, ça fait 2. Ok, j'active les freins. On m'a vraiment demandé de mettre égal 2 et en fait j'avais vraiment un 1 et un 1 et j'étais en mode qu'est-ce qu'il faut que je fasse. Oh putain. Comment ça marche? Les bruits de pas. Pop, pop, ça n'a pas marché. Ah non, il ne bouge toujours pas. Allez, mets-toi bien. Non mais c'est la loose, les bruits de pas en plus. Ulti et le sport, même virtuel, c'est dur. Arrêtez. Non. Ah, complètement raté. Voilà le lien du tweet. N'hésitez pas à le partager à Fab, à retweeter s'il vous plaît. Hop, 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 hop. Allez, on retweet, on Fab, on envoie un message, on dit c'est trop bien, ce live a l'air cool en commentaire. Un petit Lexomil. J'ai besoin de yoga en fait. Bien. Va-t-il nous faire rêver? Ouais. J'en ai fait tomber. Oh, j'en ai fait tomber. Oh, en oui plein dans le point faible. Yay, le badge Tyrell. Le public est en effervescence. Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Enfin, le plus tard possible, mais on peut. Ah. Étonnant. C'est une blague. Mais les petits chats, ils sont plus maléfiques. Les petits minous sont gentils. On peut quand même les taper. Oh hey, je suis pas venue ici pour souffrir, ok? Je suis désolée. Mais arrête de me pousser, il y a son pote qui me pousse. Mais il y a la porte derrière monsieur, en fait. C'est ça, le truc. Monsieur... Bon, écoutez, je sais pas quoi vous dire. Ah, il est tombé. Comme une grosse merde. Pas très opti, cette histoire. Ok, il manque juste la menthe religieuse. J'ai tué une libellule s'il savait, il défoncerait. Mais je vais tomber dans le vide là. Ah non. Maintenant, oui. Vous avez remis le chauffage, vous ou pas? Est-ce que je touche le chômage? Très bonne question, Justin. Ah, est-ce oui, que oui, tu oui, aimes le fromage? Est-ce que j'aime le fromage? Est-ce que tu as mis le chauffage? Ah, est-ce que j'ai mis le chauffage? Est-ce que tu aimes alors, le clonage? C'est un chauffage collectif, mais il a été mis et ça chauffe rien, donc je me chauffe avec mon ordi. Genre, tu peux pas modifier l'intensité de ton fromage. Bravo, let's go! Bogey, oh, il est déçu! Pourquoi ils ont sorti Ninja à votre avis? Parce que c'est pour mettre à l'honneur les ninjas à l'occasion du mois des ninjas. Et en fait, c'est ce mois-ci justement, le mois de septembre, c'est passé déjà. Et c'est pas vrai, j'ai tout inventé. Super le prank, quoi. Super. Nous, on est là, on me pose des questions. Sérieux, ok? Je me chie à la gueule, là. Le chat aussi y a cru, j'y peux plus. J'ai écrit un poème. Ça s'appelle « Au Nutrem ». Virgule. Virgule. Au Nutrem, virgule. Oui. J'ai pas d'inspi, c'est un poème court. Il n'y a absolument rien à dire à propos d'Au Nutrem, quoi. Merci, Justin, évidemment. Ça va être super. Je suis très contente. Alors, maintenant que vous êtes tous ici... Elle vient de faire un discours. Si je vous ai réunis ici ce soir... Okay. C'est pour vous dire que je vous aime. D'accord. Au Nutrem, tu brilles dans cette nuit. De par tes compétences à Mario Golf. Ah, j'attends la rime riche là. Un truc en 8 là. Un truc en Olf. Oh là là. Oh là là. J'ai peut-être on va éviter peut-être. Oh, elle doit être ravie, Ashley, de recouvrir la merde du chat. J'adore ma vie. Ah, super. Le chat qui te met un pouce bleu se retourne. Merci d'avoir ramassé ma crotte, c'est gentil. Jamais, hein, des ketchup sur, du ketchup sur les pâtes. Hein. Là, tout à l'heure, j'ai rien dit, mais les pâtes au ketchup, c'est non. Hein. Ça l'a pas touché. Ok, je me nage. Je me casse. Oh, il s'en what?
Puis je rêve, il m'a envoyé dans les airs. Oh, il est tout collé. Arrêtez. Oh, ouais, on l'a eu. Mais non. Mais quoi? Mais lui aussi. Mais non, mais je rêve. Oh là là, ce clutch. Mais attends, pourquoi je viens de voir Arteras a levé le bannissement de Rivenzi? Mais pardon? Je ne sais pas pourquoi, mais pardon? Mais Rivenzi, mais pourquoi il est banni, Rivenzi? Ah putain, il est banni depuis l'histoire avec Chaton in-game. Flashback. Oh, j'ai gagné. Poum poum gay. Oh non, Rive, apparemment tu fais la tête sur ton stream et tu fais de la peine. Oh, regardez ce bolos. T'as le nom de la personne? Non, je le dis pas, tu vas être méchant après. Les membres de la guest arrivent, iront voir la VOD et trouver le le fief et félon. Cette personne sera bannie, n'est-ce pas? Car mon stream, on l'aime, on le quitte. End of flashback. En fait, Rive a dit depuis tout ce temps, il était banni, mais vous êtes sérieux? C'est blague, il faut rire que les modos comme on est les seuls au courant. C'est pas grave, j'ai donné un muffin tout à l'heure à Riventy, je suis sûre qu'il me pardonne. Ok. Elle est passée où? Elle s'est faite enlever, mais arrête, je suis allée chercher. Prouve-nous que tu es vraiment Ultia, mais s'il vous plaît. C'est Dark Ultia, ce n'est pas Ultia. Est-ce que toi, tu vas m'aider? Tu vas me dire quelque chose d'intelligent? Les poissons engragés sont revenus. Ils viendront pas nous attaquer si on se réfugie dans les profondeurs. J'en ai rien à faire. Si tu savais comme je m'en fous, c'est typiquement pas ce que Ultia dirait. Mais arrêtez, mais c'est quoi votre problème? Où est Ultia? Mais arrêtez, c'est quoi votre problème? Vous êtes tous sur Discord en train de me faire un coup monté ou quoi? Quel est le nom de la commune? Je vais renommer la commune d'Eratus en Poum Poum Viewer. Regardez, vous voulez que je vous montre que c'est bien moi? Tiens, voilà. Ultia n'avait pas fait exprès, toi oui. Vous avez une fille, non? Vous devez être un bon père. Ça m'intéresse. Go! But tell the other brigades! I'm coming for them! Go! Au revoir, espèce de dingue! Je voulais fouiller ta voiture quand même vite fait avant. Ok, c'est bon. Ah! 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 Au secours! Bienvenue à la consigne, dis donc, tes visites se font fréquentes, tu vas me faire rougir, tu sais, tu as des choses à me laisser? Non merci. Eh, hey, pourquoi tu viens me voir si t'as rien à me donner? Je vais mettre la nuit pour lui parler chez elle. On va dormir direct chez elle, trop creepy. On va dormir dans son lit. 12 o'clock midnight. Salut Pavel, je me doute que tu dois avoir très envie de me voir, mais je ne reçois pas de clients chez moi, c'est bien pour ça que tu venais, non? Je vais repasser le temps jusqu'au matin pour voir. The next day. Salut, bienvenue. Ah, qu'est-ce qui se passe? Non, rien, tout va très bien. En tout cas, c'est pas du tout parce que je suis très heureuse de te voir, mais c'est vrai qu'on se voit tellement souvent, on pourrait penser que notre relation évolue. T'es plus un simple client pour moi. Moi, je suis désolée, oublie ce que je viens de dire, tu veux bien? Ah, mais c'est trop bien. Mais en fait, du coup, c'est une quête. Tu peux passer totalement à côté si tu lui parles pas souvent, en fait. Bon, en tout cas, la moralité, c'est squatter le lit de votre crush et votre relation évoluera. La dernière fois, je vous avais dit, moralité, dopez-vous. La prochaine semaine, on apprendra un autre conseil bien utile.